jamais subi de bombardage. C'est pas grave, c'est pas grave. Faites descendre un peu le micro. Faites descendre un peu. Descendez vos téléphones là, s'il vous plaît. Nous avons mis le procureur à Mirondeau. Nous avons soulevé tous ces arguments. C'est pas possible. On a du mal à prendre des images là. Parce qu'il n'a ni diffamé, ni injurié, ni offensé la personne du chef de l'État. Au contraire, il a été un lanceur d'alerte. Il a alerté à la suite des multiples publications, il a alerté le niveau national et international pour que des dispositions soient prises afin que Madina ne soit pas en feu. Malheureusement, le procureur qui poursuit n'a pas pris les dispositions et ce qui est arrivé, finalement, c'est arrivé. Nous le déplorons, nous l'avons flétri à l'audience en dépit du fait que la défense ait été muselée, ait été réduite au silence. Nous avons tenu à jouer notre partition. Nous en ressortons vraiment très fiers et nous pensons que ce n'est qu'une question de jour pour que notre client soit libéré. L'affaire a été mise en délibéré pour le Nord et nous pensons que le bon sens, le droit, la raison, eh bien, qui ont caractérisé ces débats vont amener la libération du client qui, une fois encore, nous pouvons reconnaître, n'est pas le bien. Merci. Écoutez, merci. Je...